Hallo, liebe Freunde meines Kanals. Bonjour, chers amis de ma chaîne. Cet article ne présente pas un seul musée aujourd'hui, mais un genre de musée. S'il y a des nuages dans un musée, c'est que vous êtes dans un musée à ciel ouvert. Et si vous ne le saviez pas encore, les musées en plein air sont mes préférés. Et oui, les musées peuvent être des lieux de vie, comme va le montrer ce clip. Quatre musées à ciel ouvert, ou écomusées, comme l'appellent les Français, que je présente ici dans ce clip comme exemple. Le Ballenberg en Suisse, l'écomusée d'Alsace près de Mulhouse, l'écomusée du Pays de la Cerise en Haute-Saône et le parc Millet au Luxembourg. À savoir que les quatre musées seront présentés plus en détail ultérieurement dans des articles séparés. Eh bien, tous les quatre ont une chose en commun. Ils sont spacieux, pleins d'activités et, comme les autres musées, instructifs. Les musées en plein air se composent généralement d'un grand site dans lequel plusieurs maisons sont utilisées comme musées. Il y a plus de 110 bâtiments à Ballenberg. Les maisons représentent généralement une région ou un métier. Entre eux se trouvent des jardins de ferme, des jardins de château, des jardins d'herbes aromatiques ou des roseraies. Et entre les jardins et les maisons, le petit insecte rampe et bat des ailes. Porcs, chèvres, vaches, pigeons, poulets, probablement tous les animaux domestiques quelque part, mais aussi des animaux sauvages qui peuplent l'habitat du musée en plein air. Et au milieu de l'ensemble, il y a souvent un artisan qui montre un savoir-faire ancien, parfois oublié. On entend beaucoup de sons, vrombissements, claquements, piétinements, peu importe. Et dans toute cette agitation, les visiteurs se déplacent, écoutent, voient, sentent, goûtent, se fait coiffer, donne un coup de main ou laisse le temps de s'émouvoir. Ensuite, est-ce que possède également un musée à ciel ouvert? Comme les autres musées, ce sont des objets avec des explications ou des stations multimédia. Je recommande à tous de visiter un musée en plein air au moins une fois par an. Quel écomusée vous connaissez, vous? Écrivez-le ci-dessous dans les commentaires, car j'aimerais bien le connaître. Si je t'ai inspiré, clique sur le pouce levé. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Tchuss!